Bon, maintenant, je dois matérialiser mon point d'entrée. Et il était là. Voilà. Bon, je viens de mettre ma balle dans l'eau. Malheureusement, j'ai raté mon coup. J'ai défini mon point d'entrée dans l'obstacle, c'est-à-dire c'est dans cet axe que la balle est rentrée dans l'obstacle. Donc, je l'ai matérialisé à l'aide d'un tee. Et maintenant, pour mon coup suivant, j'ai quatre options. La première, la plus connue, c'est je drop à deux clubs. Donc je matérialise deux clubs comme ça, je mets un tee. Ça, c'est mon option. Je peux utiliser n'importe quel club de mon sac. Le plus important, c'est que je ne me rapproche pas du drapeau. Deux clubs, dans un rayon de deux clubs, pardon, autour de mon point d'entrée, sans me rapprocher du drapeau. Ma deuxième option, c'est je pars de mon point d'entrée, je m'aligne dans l'axe du drapeau et je vais autant que je veux en arrière. C'est une option. La troisième, retourner là où j'étais, qui me laisse un coup un peu plus long. Et la quatrième, qu'on n'envisage pas forcément une fois qu'on a marqué le point d'entrée, mais c'est d'aller jouer la balle là où elle se trouve, pas assez courageuse. Je vais prendre une des trois premières options. Donc celle que je considère comme étant la plus évidente dans cette situation, c'est de dropper dans deux clubs. Donc voilà, je l'avais matérialisé tout à l'heure, j'avais pris un club. Et maintenant, je drop à hauteur du genou, c'est la nouvelle règle. Voilà, la balle est en jeu. J'enlève mes tees, à moi de jouer. Bonne partie! Alors, prêt à affronter le parcours ?